Monsieur Kibambi, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Depuis quelque temps, les téléspectateurs ont pris l'habitude de suivre l'émission intitulée « Chassons la pauvreté ». Et à ce sujet, nous avons reçu pas mal de courriers et de coups de fil. Les téléspectateurs se posent certaines questions. On a décidé aujourd'hui de vous recevoir pour tenter d'y répondre justement. Alors, beaucoup de coups de fil, d'autres vous appellent à minuit, bon, ça fait plaisir, mais parfois ça dérange aussi, bah, c'est le métier quoi. C'est vrai, mais pourquoi cette émission? Ah bah parce que j'ai constaté, ma longue expérience d'observateur de politique, que l'on parlait beaucoup trop de politique et pas beaucoup d'économie, ce qui fait que la population du Mali en général se dit toujours Je me suis dit, essayons de mettre en place quelque chose qui ferait en sorte que nous puissions de temps en temps toucher à l'économie, expliquer un peu à l'opinion comment ça marche et quel comportement afficher. Chassons et pas chasser. C'est une affaire de tous, donc. Absolument. Je voudrais dans un premier temps qu'on ne s'attaque pas, comme nous l'avons toujours fait, aux structures étatiques. D'essayer par nous-mêmes de nous regarder dans les yeux et de savoir pourquoi, vivant dans un pays aussi riche, nous sommes, pour le plus grand nombre, pauvres, alors que ceux qui viennent s'en tirent plus ou moins bien, si pas très bien. Et la cible première de cette émission, si... La cible, c'est le monsieur tout le monde, comme on dit. C'est-à-dire dire aux Congolais, mais écoutez, vous êtes pauvres, mais pourquoi vous et pourquoi pas les autres? Mais réfléchissez, ne restez pas à jouer au jeu de dames. Il y a une expression malheureuse en français, je ne vais pas l'utiliser. Bougez, faites quelque chose, réfléchissez. Ne soyez pas attentiste. Posez-vous la question de savoir pourquoi vous êtes dans cet état et réagissez. Bougez les lignes, c'est votre pays. Et on est pauvre. Je ne sais pas comment vous définissez ce concept. Qui est pauvre? Mais la population, d'une manière générale, est riche. Là où il y a l'argent, vous savez, ça se sent, ça se voit. Quand vous voyez des gens alignés, allant à pied, pas seulement, pas parce qu'il n'y a pas de moyens de transport, parce qu'ils n'ont pas de transport. Quand vous voyez comment le gens passent leur journée, vous devinez. Et puis, nous sommes ces gens-là, nous sommes pauvres. Cette pauvreté, je voulais dire, c'est une pauvreté d'abord de l'esprit, ou vous parlez aussi de cette pauvreté matérielle, on n'a rien à manger, ou on a l'impression que vous vous attaquez plus à cette pauvreté mentale. Oui, mais les deux sont liés à mon sens. Les deux sont liés. J'ai l'impression que nous sommes un peu fatalistes, attentistes. Non. Tant que les choses se passent. Il est question de... Vous savez, la vie est un combat. La vie est un combat. Si vous ne vous battez pas, vous restez en dernière ligne. Mais si vous vous battez, vous allez vous retrouver. Il est question dans cette émission de demander à ceux qui nous suivent, mais pourquoi vous êtes dans cet état et pourquoi vous plaignez-vous? Dieu vous a pourvu l'intelligence, vous êtes des humains comme les autres, mais posez-vous la question de savoir pourquoi moi? J'ai quelques petits diplômes, j'ai terminé mes études primaires, c'est preuve quand même que je sais réfléchir, études secondaires, pourquoi je suis dans cet état? Et à ce moment-là,
vous vous poserez d'autres questions, celles de savoir quels sont les défauts, quelles sont les qualités qui peuvent, d'abord les défauts qui vous freinent, les qualités qui peuvent vous sortir de cet état. Donc, pour la ligne, naza mobola, ngai mobola, nambokoyo. Non, naza mayele, naza moi mayele, mais naza la nini pour nalongona nanana. Vous vous posez cette question et vous vous posez des vraies questions et vous trouverez, je vous assure, des vraies réponses. Mais quand on part de cet a priori que la vie est un combat et qu'il y a certaines personnes qui se disent déjà dépourvues de force, vous ne pensez pas plutôt qu'il faille dire, redéfinir les choses et dire peut-être que la vie, c'est plutôt un jeu dont il faut connaître les règles du jeu. Comme ça, on part avec tout le monde et comme sur le même pied d'égalité et on y va. Parce que quand on dit un combat, on se dit, si c'est un combat, c'est pour les forts. Moi, je suis faible. Donc, ben non, mais bon, écoutez, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas être faible. Non, il faut se battre dans la vie. Il n'y a que ceux qui se battent qui réussissent. Se battre, ça veut dire quoi? Réveil à 4 heures du matin, vous vous lavez, pour certains, réveil à 5 heures du matin, c'est ça la forme de combat dont il s'agit. Aller, si le faut, à pied, c'est un combat. Il ne faut pas rester comme ça. Non, il ne s'agit pas d'un combat où... des gladiateurs, non. Dès que vous avez trouvé vos forces, dès que vous avez trouvé vos faiblesses, vous combattez vos faiblesses, vous prenez comme allié vos forces, vous allez réussir. Yo, mi poser question, ponani nazana, nazamobola, orobi, par exemple, ngai, pona la mokana pongi za za passe. Robi beko. Ba o ba la mokana pongi. Na kasini ni bazana. Kape no bala mokana pongi. Ngai na zalaka na melaka mingi na sala. Bona ko sala tu. Ngai pe na koma moto na banda pe ko sombe la baninga masanga. Kra bango ko sombe la ngaba masanga. Et puis na melaka kaka loto ko baninga ba melaka moi bien parce que bazana bongo mais pour nani bango bazana bongo na zana bongo te. Rien que cette question, si vous la posez et qu'elle vous donne des véritables réponses, vous êtes parti. Mais c'est un vrai travail justement de savoir se poser cette question. C'est là que réside vraiment le nœud du problème. Comment est-ce qu'on arrive à se poser cette question? Parce que les gens qui nous regardent sont en train de se dire, c'est bien beau, mais voilà, je me pose la question. Comment on arrive, c'est un virus? Comment on l'attrape, ce virus-là? Oui. La prise de conscience. Vous avez parlé, c'est le nœud du problème. C'est ça le secret. En fait, parce qu'il est caché. C'est un secret. Si vous ne vous posez pas la question, vous resterez comme toujours, jeu de dames, facile. Mais si vous vous posez cette question et vous trouvez la réponse à ces deux interrogations, ma force elle est où? Ma faiblesse elle est celle-ci. Alors vous vous dites, j'y vais. Je vais vous donner un exemple. Quand on a commencé Tomandi émission, papa, bilokoza kolwa neza magie. Oui, mais que mon commissus on a la muki, na ke na lobi na kokende na ville na kozombongo. Na ke naza kuleka quelque part na mon ima ezako bima na parcelle mais comme déjà vert. Na bipo na nini batikima yo ya vert na zui courage na koti na ndako wana. D'abord, on a une banque en bois, on a maîtrisé en bois. En deux mots, on a dit maman, oui, mais que maïo est ok. Mais papa, bon, ça n'a qu'un mot, tout ça, on a dit maman,
mama loko na vanda la musika soki o pesinga kaka moins transport lobby na koya ko bimsema ngai na zaki na makasi ya kusala musala wana tena edi moninga moko asala azala ka musala wana na kiko na musala moninga wana le lendemain tu es tout seul tout si si mama lobby boze na papa papa aye a pesi biso $100 parce que abusa na kala alors na lobby eza magie te soki o vanda na ndako ce qui osa idée wanate engaki ko sala mate engaki ko sala mate bo ebe eza makambo bato ebele ba komaka na ba livre ngana na kupesa pe exemple moko toujours na poste na poto mais moi si nanga il faut aya quand même na bimbo na kokende na RFI na kende kuna na singa msala. Au lieu de vous dire que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez alors, en fait, balobi kende na volonté na yo nyonso ko hésiter te kende kaka vraiment kende. Pourquoi tu es dans le 8e étage, je ne sais pas, madame Jacqueline Bautelier et Zali, impossible. Je garde ma Zali. Mais quand je suis na je na fongoli porte, na moni madame Bautelier, na expliqué il y a en deux mots. A téléphoné na 5e étage, je suis en Moussala. Vraiment, il y a. Il y a bien. Vous comprenez? Oui. Donc, ce courage-là, même aujourd'hui. Il faut le prendre. Oui, il faut le prendre. Moi-même, je m'interroge. Et comment ça s'est passé, aller au 8e étage, et le 8e étage c'est impressionnant, c'est madame Jacqueline Baudrier, maintenant c'est autre chose, maintenant elle ne se rend plus là-bas. Parce que, Bobandi, nani à verre, c'est quoi ça, nani, tapis à verre. Papa, besoin que n'est pas, il y a PDG, tapis est changé comme il y a rouge, il y a beaucoup de gens qui ont dit, secrétaire na koti yepe a koti na secrétaire na yebisye makambo a pisinga musala na ba pokwa na voyez-vous donc eza problème ya volonté eza mi eza miracle te eza eza ka moi secret moko boye ya courage kozwa nini nguya panguya te kozwa ka courage te courage ka pa comprendre courage donc kozwa courage obi na ko kenner ça bon ça mais pour ça la wana il y a quand même ba prérequis au yebi que musala wana se ba pisinga na kokoka yango pour que vous sente musala est ingénieur té c'est quoi ça donc voilà ba interrogation nyo sona ce que aussi ici yango lobi na kokende ce qui na komikuna ba da kozwa musala. Donc chers amis bino ba oyo bo posa ki question a ko yeba qu'est-ce qu'il faut faire, c'est d'abord ko vanda ko kanisa. Et puis qu'on soit volonté, il y a aucun des vers où ils allient finalement destin à binou. Donc il faut un temps de prise de conscience. Donc et bandinon namutu après et pesi makolo ndingi ça il y a aucun des vers vers votre destinée justement. Donc on réfléchit, on est volontaire et on y va. Il y avait une autre question, les téléspectateurs voulaient savoir comment vous faites pour sélectionner vos invités. Ça, c'est revenu beaucoup. Non, oui. Sélectionner pour inviter, Nasengi na ba oyo bazana mwa idée bwana ya koloba ngana za mwa na nzambe na kutikoza la bongote na kuza la boyete na sala nini uzo comprendre na kutikoza famille na ngai boyete et puis avant ya kosala yango mais banda pe vous savez pour changer kola koze la kaka makambo minene te. Changement, par exemple, par exemple, peut-être que je suis chauffeur. Aux chauffeurs, nous avons des balles qui sont là, nous avons des gens qui sont là, nous avons des gens qui sont là.
Tu vois, c'est un geste banal. On a fait qu'on chasse la pauvreté. Ben, c'est-à-dire que banda qu'on s'en a bien, qu'on y a bien pour parce qu'on qu'on sollicite. Oui, parce qu'on qu'on sollicite Nanyanzambe aussi. On sollicite. Donc, banda peut qu'on s'en a. Zala positif. Qu'on finit à kabatoté, qu'on loque à kabatoté, biloko n'y a pas de kozongé là. Ceux qui ont allé vraiment bien dans ta peau, ok. Okozoape Moussalawana. Mais quand Luka Moussala Oyo et Likio te, Luka Moussala Oyo, Orotiko Sal. Vous comprenez? Et c'est vraiment magique. Et ça, émission, il y a mobilisation des énergies. Yo kaka, nani, ma ministre n'a pas dit, nani n'a pas dit, très bien, bazape na. Par na yo nini. Pose à Moussala. Et puis, tout ça, quand on va venir, Bautaka étranger, il y a un peu de Moussala. Et ça, politique. Ou on appelle Nangina et sa bandeko. Ce qui est allé dans Kitsaso, il y a un peu de Mindi, pour construire un hôtel, pour construire un flat, un restaurant, un bar. Alors, il y a un peu de restaurant, il y a un restaurant, il y a un restaurant, il y a restaurant chinois, ils ont que malamoune. Parce que Bango, basa ko pesa misalawana na batu, bayebi misalawana. Donc, si vous êtes en Bongo, Luka attaque à moi stage quelque part, ou tindi moi nana yo, ou bien de. A qui vous êtes en moi stage, à yebi moussal, à lingi yango, à ko continuer. Deuxième chose, Bango bayaka, ba pesi bango mbongo. So ki e kwei, ba pesi li sousou. Mais biso est accablé. Na pense que Moussala na hôtel ou hôtel na ngai wana za kulia ka mbongo sikoyo ekwei na kupesa Yesu te. Non. Abandiko yeba Moussala. Abandiko yeba da sala ki stage renfloué yé di susu au komona que peut-être ceux qui moto yo ozwati aza peza yé au komona muke muke et bandi. Oza ko pesa biloko ya makasi na moto yo auti mboka pardon hein bato auti mboka baza bato mais pesa yango na moto yo atangaka alingi Moussala wana. C'est ça le problème parce que mingi to pesa ka moto au moins na moto asombi voiture yé moko za chauffeur té ma asombi voiture po a engager les sous chauffeur mousous. Ça veut dire que a identifier besoin na yé mala moté voilà. Donc le truc et ça aussi, quand on veut donner son azur, exemple Nabino, ce que l'ingi copé sa moto responsabilité, il faut étudier yenan. Est-ce que ça n'a pas compétence nan? Ou bien opé ça y est ba moyen aïe ba moussala. C'est vrai, na ba Paris, ba Bruxelles, ba stage on est zakamingi. Awa ba stage est zakamingi mingite. Donc, on s'allie comme moussali et comme moi stage. Ce qui kaka lingi, voilà le secret moussous. Alingi yango, c'est fini. Donc le grand travail, le grand problème, c'est aussi l'identification. Est-ce mais que, oui. Est-ce que le problème aussi, ce n'est pas la faute ezape ba botina bisoté parce que ba botipe ba laxi biso que kozala mutu, il faut kaka kozala ba diplôme, faut kozala kaka. Les diplômes on peut les avoir, mais faut kozala licencié, kozala juriste, avocat et tout ça, ça crée aussi de frustration à ceux qui savent déjà de base que mais pourtant la société leur dit eh ben, si tu fais pas ça par la société ici surtout à Wabison Afrique nanou on te dit que bon voilà ceux qui ont un diplôme T il y a mon aîné tu sers à rien donc tu dois t'as la maman développement et bandi nanini bandi ceux qui ont dit tout se développer il faut misala et zala le roi Toyo qui que bah pour construire une ville moussous nanani misal e koya mais yo ko sala nini ceux qui ont un diplôme oyo teo pardon au sombaka ko sala nini mais ceux qui ont un maçon tous ont besoin de maçon trois besoin ya banani exemple na pesa kamingi oyé bi pona ko terminer construction oh ya construction ya kaf il faut qu'on soit bah égyptien bah lobi peut bah togolais bah ça bah spécialiste mais biso tout ça spécialiste nani biso bah ko benga biso hein la politique la politique bon tout ça qui politique on dit que tout ça spécialiste la musique oui ngai na zaki na Côte d'Ivoire ceux qui t'ont profité dans leur musique wana ezaki au top
mais les tout colonisa Afrique. Mm-hmm. Vous comprenez? Tout ça la paix, tout côté dans le domaine nous sous autre aux alabas spécialistes, donc ben gabiso na misa les akoya, les akaka nanité francophonie, mais bino kaka ba diplôme ya ya nani ya 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 ko iba déjà ben déjà banin non tous ces spécialistes na banin sous sous tout cause misa la co construire maman oyazaki na mon na na onu ya wa nani comment na ye bon. A petit exemple, à l'obis, oui, ceux qui sont dans l'Est, botali côté Congo, bah hôtel ya malam, botali côté Moussouana, bah usine. Bon, que qu'on a développé un bango que bino, parce que les hôtels, vous n'allez pas prendre 1000 personnes dans un hôtel, mais dans une usine qui fonctionne, vous avez besoin de la main d'œuvre. C'est en mettant les gens au travail, en n'ayant un peuple de travailleurs qui veut travailler, que nous allons développer ce pays. On ne va pas continuer avec des gens qui vous donnent de l'argent, qui en plus vous donnent des ouvriers spécialisés. Non. Donc, Ozan a raison, tata, maman, bokende pe, koye, psa, banana, pino, bakende, se débrouiller, naba, ba, classe, oyama, boko. Et puis nous-mêmes, la révolte, c'est quoi? J'ai un diplôme, j'ai terminé 26 ans, j'ai un diplôme de ceci, je chôme. Pourquoi je n'irai pas faire un tour du côté des trucs de ma classe où il y a Nanyama Boko? Vous comprenez? Oui, oui. Donc, vous faites tout pour mériter Oyo, pour développer Oyo, ma talent en Bapesakio. Donc, mobiliser Batouba Sala, Oya, parce que Batoumoussou, c'est parce qu'on a plein de Vandi. Ça a un plan et à Koukosa. L'obin a dit que maman a confié. Le nom n'a pas confié. Le nom n'a pas confié. Moi, je suis malade. Et voilà, et ça, Moussa l'a pesé. Mais Bakoye, Bayo, n'a pas si cagnon ce que vous ne faites que mentir. Et Bayo, Bazar, Moussa n'a pas geste. Parce que ça n'a pas bien. Parce que Bakoumoussou, soit Koya, Koloba, Makambo, y'a solo. Bon, Pimeli, Mbongo, parce que Bokalisi, Kaza, Lokola, Moutouana. À cela qui est bouillé, c'est malheureux pour le pays. Donc c'est une invitation au travail. Oui, il y a talent. Je pense que c'est aussi vraiment pour moi, et le Komokoyamo, tout Yamakas, parce qu'il y a un principe qui dit, ce qui osa richeté, c'est parce que nous découvrir talent naïoté. Donc c'est-à-dire que, encore une fois, je reviens et pas à mes parents pour dire aux parents, c'est votre travail de découvrir, nous tous on est parents, de découvrir le talent de votre enfant dès le moment où vous comme ça, yo le kolozali, mon lakisi anzela naye, au koka ko memaye vers son talent. Parce que, ban et belé, au komona, nabamikin, nous sommes au 6 ans, au tounie, qu'est-ce que tu veux faire demain? Ah, je vais devenir pilote. Il te dit même pourquoi. Et puis, au moment où biloko asa la eza penza ba pilote. Mais nous, nos enfants, il va dire, bon, je ne sais pas. Ou bien un enfant qui te dit, je vais être mécanicien, il a 6 ans. Bon, moi, non, il y a le bien que vous en avez mécanicien à 6 ans. Oh, ça va être le... Oh, Saliba, avion, base à mécanicien. Et même si ce sont des ingénieurs, à la base, ce sont des mécaniciens. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, je reviens au principe selon lequel les parents ont une grande responsabilité de découvrir ma talent et à Banana Bango. Par contre, le rôle de qui te lobby aux questions que se posait Ekoloba. Ngaï nani. Na kosa la nini. Vous comprenez? Je vous assure, c'est magique. Parce que Bisho, Boké, Baninga, Tanga qui est à Paris, Yozaka, le journaliste, on a dit qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais architecture. Ah bah, tu as fait des études d'architecture? Oui, parce que là, tu sais, je ne m'entendais pas avec tel. Mais pourquoi vous attendez 20 ans le boulot? Non, allez ailleurs. Vous avez une licence, c'est très bien. Mais allez dans une autre structure, apprenez autre chose. Et ça peut vous aider. Et à un moment, vous allez trouver que, ah, là, j'adore. Par exemple, les lois, Internet, au Kotikuna, aux amis, aux banques, aux mines, aux boules, aux lobbies, aux lobbies, aux vous comprenez? Ouais. Donc, cette émission est une mobilisation
des énergies des Congolais mm-hmm. pour que nous puissions aller de l'avant. Mm-hmm. Mm-hmm. Si vous faites un travail qui vous plaît, je vous assure, c'est agréable. Oui. Vous y allez avec plaisir. Mm-hmm. Tandis que si vous faites un travail que vous n'aimez pas, c'est une torture. Ah, n'a qu'un dessous sous les lots. Vous comprenez? Pour nous qui sommes des sportifs, par exemple, se réveiller le matin pour aller jouer au tennis, c'est un plaisir. Donc je me réveille gaiement. Mais si vous me demandez autre chose, bon, c'est vrai que je vais être paresseux. Mes chers amis qui nous suivez, s'il y a quelque chose qu'on doit retenir à ce niveau-ci, donc on est même arrivé presque à la fin, il faut savoir qui vous êtes. Si vous savez qui vous êtes, vous allez savoir quel est votre talent et vous allez faire un travail que vous allez aimer. Et je vais emprunter une phrase de quelqu'un qui avait dit, je ne vais pas la dire comme il a dit, il dit, si vous faites un travail que vous aimez, vous ne travaillerez jamais. C'est-à-dire que, voilà, vous allez travailler comme a dit Monsieur Kibambi, vous allez y aller avec beaucoup de plaisir. Donc, donc, pour retenir par rapport à ceux qui nous ont posé la question, il faut qu'on m'y pose une question aux Ali Nani. Et à ceux qui sont restés depuis 20 ans à attendre la promotion, à attendre, dites-vous, vous n'êtes pas riche tout simplement parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Il faut être, si je veux parler comme les chrétiens, à l'endroit de votre bénédiction. Monsieur Kibambi, que gagne le pays dans cette histoire de chassons la pauvreté? Mais oui, mais le gagne, c'est cette mobilisation. Et, je trouvais cette idée excellente, l'idée de la nouvelle ville ou les autres idées. Mais c'est que le pays va trouver une population en alerte, en attente, pas éveillée, pas une population endormie, aux aguets, qui cherche, qui a besoin. Et une population disposée à travailler. Vous savez, quand vous avez un instrument comme celui-ci, il faut l'utiliser à bon escient. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est un don. Alors, faites des dons. D'où c'était. Vous savez que pour la petite lucarne, on me réveille aussi même à minuit pour me demander comment on écrit une lettre. Non, mais vous rendez compte. N'est-ce pas? Là, on est obligé de répondre. Comme c'est un travail que vous faites avec beaucoup de plaisir, ça, bah oui. C'est et une toute dernière question. C'est quand est-ce que vous sentez que vous avez accompli votre mission en tant que journaliste? Là, je pose. Je sens que là, c'est une question générale ou bien général, avec... général. Ah parce oui, qu'on va finir. Écoutez, parce que je suis journaliste et je suis formateur, je connais ce métier, j'y suis depuis longtemps. Quand je vois à la télévision les jeunes gens que j'ai formés et qui excellent, je me dis, mission accomplie, Seigneur. Et dans le cadre de cette émission? Dans le cadre de cette émission, le plaisir est... On ne m'a jamais autant appelé. Vous savez, il y a une maman qui m'a appelé de Lubumbashi parce que cette émission passe sur... de la chaîne Mikuba, qui passe à travers le monde, et me dit, papa, on s'accouplait chez Kolekanaba pasteur. Alors, Naebissier, elle dit, Nazan a 60 ans, Nazan a Lumbashi, on s'accouplait Kolekanaba pasteur. Elle dit, maman, Nazala Moupé. Alors, voilà, donc, on n'est pas loin. Quand vous avez une question, une intervention comme ça, quelqu'un qui a perdu ses unités, oui. Quelqu'un de 60 ans qui vous appelle, une dame, vous dites Dieu merci. Vous avez gagné. Voilà. Merci, monsieur Kibambi. Merci, madame. Merci de nous avoir suivis et au revoir.